À trois, on va faire un maximum de bruit. Vous êtes prêts ou pas? C'était une des nombreuses actions que nous avons mis en place depuis maintenant 3 ans à Saint-Michel-sur-Orge et c'est le début, hein, je dirais, d'une encore longue série de manifestations que nous comptons dédiées à la jeunesse. Et puis ça a donné Welcome to the Star édition 2. Faites du bruit à Saint-Michel ! Est-ce que vous faites chaud ? J'ai participé à la première édition. Là, aujourd'hui, c'est la deuxième édition et on suit. Je pense que plus on le fait dans la durée et plus ça s'installera dans les mœurs et plus il y aura de monde qui sera présent. Je pense que c'est avec ce genre de festival qui se passe bien. On peut démontrer qu'on peut faire des concerts de rap encore en banlieue. J'ai l'impression que c'est plus des gens qui sont là pour passer un bon moment et pour délirer que les concerts très officiels. Donc voilà, on est en famille, on appelle ça comme ça. J'ai plein d'affinités avec beaucoup de gens d'ici parce que c'est une ville qui m'a toujours super bien accueilli. Je pense que les organisateurs qui se sont acharnés pendant des mois à faire ça et qui voient le résultat et qui voient voilà, tous les petits avec un grand sourire. Enfin, moi, en tout cas, je suis contente d'avoir participé à ça et de les avoir vus et leur avoir fait plaisir. Un jour, il faudra bien partir. Des gens comme BR, c'est grâce à des gens comme lui qui font que ça avance. Un rappeur d'ici, il aimerait faire des concerts dans sa ville, mais franchement, c'est pas facile à gérer. Donc, il faut plus de gens comme ça pour que, voilà, plus de concerts dans la région parisienne. On avait plus de 400 personnes, donc vraiment on peut dire que c'est une réussite. On aura certainement une troisième l'année prochaine et puis j'espère que ça va être une action que nous allons pérenniser au fur et à mesure des années et de notre engagement.